Madrid va vous parler du sacre de nos aigles, leur troisième place à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, leur médaille de bronze, ces jeunes-là dont la préparation a été bâclée par la direction de Mali Football, qui ont été laissés à eux-mêmes à Toulouse, qui ont rejoint le représentant de la FEMA Foot à Paris et il n'y avait personne pour les accueillir. Malgré toutes ces conditions, malgré ce puits profond dans lequel on avait enfui ces gamins-là qui n'ont pas 20 ans, ils ont réussi à choper la troisième place de leur Coupe du Monde des Nations de Football de moins de 20 ans. J'ai envie de les applaudir. La bande à Fanny Ligara qui est comme un père qui a fait fi de tous les coups bas dont lui et cette équipe-là ont été victimes. Fanny Ligara qui a su mobiliser ces jeunes-là autour d'un objectif. À la base, ils étaient partis pour remporter cette Coupe du Monde qui aurait pu être une grande première pour la nation malienne. Mais ils se contenteront de la troisième place 16 ans après la bande à Seydou Keïta, Mamadou Dissa et autres. Bravo aux Aiglons. Bravo à Adama Traoré, sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, 16 ans après Seydou Keïta, j'ai envie de dire. Quelque part, la fabrique de footballeurs du Mali, les formateurs du Mali ne se trompent pas. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ossature de l'équipe nationale du Mali, des seniors, la plupart sont formés au Mali. Certes, des gens viennent d'ailleurs, mais l'ossature vient du Mali. Et donc, on est fiers de ces aigles-là. Comme je l'ai dit au tout début, c'est la seule bonne nouvelle de la semaine. Ces gamins-là, développer le football total. On n'a jamais vu un jeu fabriqué, un jeu estampillé made in Mali aussi fluide. Ça nous rappelle l'époque de Johan Cruyff, c'est Barcelone. C'est du football total. C'est fait de passement de jambes. Ça nous rappelle des Brésiliens. Pour ceux qui ne sont pas maliens, avaient envie d'être maliens pour une fois. C'était beau, on était fiers, on avait envie de les serrer contre nous. On avait envie de pleurer avec eux. Tellement ils nous apportaient des frissons. Quand on était derrière notre écran, quand on voyait jouer les Adama Traoré, les Djigui Diarra, ce jeune, ce tasse du ballon rond dans les cages, ce capitaine du haut de ses moins de 20 ans qui arrive à gérer ces situations-là, on dit waouh, vive le Mali. Ces jeunes-là nous ont apporté beaucoup de joie. Cependant, il faut rappeler le rôle de la FEMA Foot, un concentré de bras cassés, je le dis, qui ne sert qu'à travailler pour leurs propres intérêts. Comment on peut laisser des gamins qui ressemblent aux gamins de tout le monde? On peut abandonner ces gamins-là à Toulouse et venir se poser à Paris. Et ces gamins prennent le train, ils arrivent à Paris. C'est la population malienne, hein, c'est important de le dire. Les Maliens aiment leur pays, on peut dire ce qu'on veut. Les Maliens qui sont hors du Mali aiment le Mali. Les Maliens se sont levés comme un seul homme, sans savoir que cette équipe-là allait avoir un parcours phénoménal 16 ans après à la Coupe du Monde de moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les Maliens se sont levés, ont mis la main à la poche, ont acheté de la nourriture, sont venus en aide à ces aiglons-là. Est-ce que vous vous imaginez ça? Ce sont des milliards qui sont enfuis dans le football. Il y a un sponsor. Le sponsor Ernest, la personne de Malamine connaît, a offert 15 jeux de maillot aux aiglons. Et figurez-vous que les aiglons n'avaient que 2 jeux de maillot. D'ailleurs, ils lavaient les maillots, ils remettaient les mêmes maillots. Nous sommes en 2015, il y a un sponsor. Et il y a des gens à la FEMA Foot qui ont jugé de se comporter comme si on était à l'époque médiévale, en demandant à ces jeunes hommes-là. Normalement, il y a une structure autour qui s'occupe de l'intendance. Mais non, on a conditionné ces jeunes-là pour être des perdants. Mais comme ce ne sont pas des losers, ce sont des gens qui ont tout investi dans le football, ils ont mouillé le maillot. Et donc, c'est très important de lui dire, le parcours des Aiglons en version 2015 à la Coupe du Monde n'a pas été du tout simple. On a mis des embûches, on a mis des pots de banane, on a mis des grenades, on a mis tout ce qu'il fallait. Mais Djigui Keïta, Adama Diarra, parce que quand tu appelles un Traoré par Diarra, ça pose un problème. Donc la bande à Adama Traoré, à Djigui Diarra, le goalkeeper, et à tous ces gamins-là qui nous ont apporté tant de joie, on n'a pas de mots et on n'a pas de prime pour vous. Seule l'histoire vous récompensera. Merci à vous. Merci à tout ce que vous avez fait pour tous les Maliens et tous ceux qui aiment le foot. Je rappelle, vous avez fourni le plus beau jeu jamais fourni par une formation malienne de toute l'histoire du foot. Pipi, allez les aigles!